Bonjour Pierre. Bonjour Ami Ranger, je suis avec Pierre Véron de chez Hasbro. Pierre, merci de nous recevoir. Quel est ton rôle chez Hasbro exactement? Bonjour, merci à vous pour cette interview. Alors moi je suis brand manager pour Power Rangers, pour la France. Donc je m'occupais de toutes les différentes activations autour de la marque et de la sélection des produits pour le marché français. Et de tout ce qu'on peut trouver au niveau marketing en règle générale. D'accord. Comment tu as connu Power Rangers? Tu connaissais ça avant que ça intègre Hasbro ou... Oui, bien sûr. Ouais. Pour le coup, qui ne connaît pas Power Rangers? Oui, moi je connaissais bien Power Rangers avant, étant enfant, évidemment. J'ai eu l'occasion de regarder des dessins animés. Aujourd'hui, je suis un peu plus vieux que les Power Rangers, mais pas beaucoup, donc j'ai grandi avec. Non, je connaissais déjà. Sans être un spécialiste. Forcément, mais du coup, j'ai aussi pu en apprendre pas mal depuis l'achat d'Hasbro. D'accord. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'extension de la licence sur la France au niveau de tout ce qui est la série, comme ils disent aux États-Unis, le show, de sa diffusion, de ses produits dérivés, tout ça pour la France? Est-ce qu'il y a un avenir pour la licence chez nous? Alors, complètement, et même j'ai envie de dire particulièrement en France. Parce que la France, en fait, il faut savoir que c'est un des pays sur lesquels Power Rangers est particulièrement fort en tant que marque. Et notamment auprès des enfants, du fait d'une bonne et belle diffusion de la série télé, donc notamment en ce moment des Smurfers qui est sur Gulli. Gulli, c'est une marque qui les aime beaucoup aussi. En fait, vraiment pour le coup, un beau travail de partenariat ensemble pour donner toute la visibilité qu'il faut à cette marque et à ses super-héros. Puis après, au niveau élargissement de la marque, on est en train de travailler pour développer la marque sur d'autres types de supports, que ce soit du livre jeunesse ou du magazine par ailleurs ou du déguisement, etc. Donc pour pouvoir répondre aux différentes demandes, aussi bien des fans mais même des enfants qui baignent dans la série. Et puis aujourd'hui, on bénéficie aussi de toute la visibilité de tous les Power Rangers sur la plateforme Netflix qui a de plus en plus d'importance aussi en France. Donc c'est une marque et une licence qui a un bel avenir devant elle et qui a déjà une belle histoire. Donc, c'est intéressant. Ok. Par rapport, tu parlais de Gulli il y a quelques minutes. Est-ce que la diffusion de je fais Gulli, c'est-à-dire de diffuser toute la série d'un seul coup avec un épisode par jour, est-ce que ça peut être un frein quand même sur la vente de produits dérivés et ainsi de suite? Alors. Non, à ce niveau-là, même nous, au contraire, parce que l'audience est plutôt bonne sur ce dessin animé, et c'est plutôt une chance, comme ça les enfants peuvent vraiment suivre toute l'histoire à plus ou moins court terme, et vraiment s'imprégner des personnages. Et comme nous, en fait, la promesse qu'on fait aux téléspectateurs notamment, c'est de dire ce que vous voyez dans le dessin animé, vous allez l'avoir dans la vie réelle, en jouet, enfin, le morpheur, l'épée, etc. Et on voit qu'il y a une vraie corrélation, les enfants qui sont fans de Power Rangers et qui regardent Power Rangers ont vraiment envie de devenir des Power Rangers, donc c'est super intéressant. D'accord. On va parler un peu produits dérivés, tout ce qui est joué et ainsi de suite. Donc chez votre prédécesseur, qu'on ne va pas nommer mais que tout le monde connaît, il y avait la gamme Legacy qui était plus là pour les collectionneurs, des produits bien finis. Bien sûr, un peu plus cher, ce qui est normal. Aujourd'hui, Hasbro s'est lancé dans la gamme Lightning Collection, donc avec toutes les figurines qu'on connaît, ce qu'on a dévoilé, ce que vous avez dévoilé ce week-end. Et aussi la continuité des casques, donc là avec le casque du Ranger dans Mighty Morphin. Est-ce qu'on va prochainement voir des produits comme on peut voir chez Marvel, des figurines peut-être beaucoup plus grosses, super bien articulées avec des peintures métallisées, des parties en métal, des trucs comme ça? Alors aujourd'hui, tout ça c'est confidentiel, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais, ce que je peux vous dire, c'est que cette gamme Lightning Collection, elle a vraiment vocation à grandir et à s'enrichir au fur et à mesure. Là, comme vous avez pu le dire, on vient de reprendre la marque, donc on doit se concentrer sur chaque gamme, et toutes ces gammes vont être amenées à grandir au fur et à mesure, dont Lightning Collection. Et ce qui est super, et c'est ce qu'on a annoncé ce week-end, c'est que
Lighting Collection, dès le début, on commence avec toute la technologie propre à Hasbro, avec le photoréol et le réel, etc., qui va permettre d'avoir des super belles figurines à des prix assez intéressants. Donc, tout le savoir-faire qu'on peut avoir sur des marques comme Marvel ou Star Wars, qu'on a acquis par le passé, on l'applique tout de suite à Power Rangers. Donc, en effet, on peut s'attendre à avoir la gamme évoluée dans le monde. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, on sait que les produits dérivés, les gammes classiques comme Beast Morpher ou même les séries précédentes quand c'était chez vos prédécesseurs, ça rentrait, on va dire, plus ou moins bien selon les références et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, Beast Morpher, on s'aperçoit que dans les magasins, on retrouve un petit peu ce qu'on voyait il y a 15 ans, c'est-à-dire des gammes beaucoup plus conséquentes en magasin. Mais est-ce que la Lightning Collection va rentrer aussi? Parce que, pour être franc avec toi, je suis quand même issu de distribution, on va dire spécialiste de jouets, de travailler pour une enseigne, et j'ai l'impression que ces enseignes-là, elles veulent, mais elles ont du mal à jouer le jeu et finalement ne font pas rentrer spécialement les produits. Alors là, tu parles des enseignes spécialisées du jouet. Ouais. Alors, c'est avec ces enseignes-là, hein, évidemment, qu'on travaille beaucoup, et notamment toute la gamme Lighting Collection. Mm-hmm. La gamme Lighting Collection n'a pas forcément vocation à se retrouver partout, mais plutôt justement au sein de ces magasins spécialisés qui vont de plus en plus l'avoir en rayon et rendre le produit disponible. D'accord. Que ce soit les magasins spécialisés, mais aussi du coup aujourd'hui avec l'e-commerce, pour essayer de rendre cette gamme bien disponible. Est-ce que le e-commerce, c'est plutôt... je pense que le e-commerce aujourd'hui, comme des sites avec Amazon, tout ça, c'est plus un point fort quand même, parce que... habitant, moi, dans une région, voilà, où, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça permet, y a des magasins qui n'ont pas spécialement la gamme parce qu'ils sont plus petits en termes de superficie. Aujourd'hui, en fait, ça permet de pouvoir répondre à beaucoup plus de monde et leur offrir un accès aux produits qui est beaucoup plus facile. Donc, en effet, ça a des fois des avantages, mais ça a aussi vraiment l'avantage de pouvoir répondre au plus grand nombre et puis de pouvoir vraiment travailler le produit. Power Rangers aujourd'hui, c'est bien sûr c'est une série télé, il y a eu plusieurs films, mais c'est aussi les comics qui sont arrivés depuis 2017 en France. Il y a un public maintenant, c'est vrai qu'on attend depuis un certain temps le retour de l'histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne alternative pour les fans de la première heure et ainsi de suite? Alors, moi là-dessus, je peux malheureusement pas vous dire grand-chose aujourd'hui. Je pense qu'on pourra vous en dire plus dans quelques temps, mais sur la partie comics, voilà, on essaye de travailler ça aussi. On sait qu'il y a tout un patrimoine, si vous voulez, j'allais dire, historique sur la marque, mais aujourd'hui, voilà, je peux pas vous. J'ai moi-même pas forcément l'info aujourd'hui sur comment va se développer le comics. Ça marche. En tout cas, hier, pendant le panel de Hasbro, tu nous as présenté, enfin Mona qui était présente, nous a présenté la figurine de Lord Draken. C'est le premier personnage tiré des comics qui est édité en figurine chez Hasbro. Est-ce que c'est une figurine qui risque d'être rare à avoir? Pas forcément, alors elle va être issue du coup des vagues sur la Lighting Collection. Après, en fait, chaque personnage va être relativement rare, dans le sens où il n'y aura pas énormément de quantité parce que produit de collection. D'accord. Donc voilà, après, ce personnage plus qu'un autre, non, pas forcément. Mais pour se faire toute la collection Lighting Collection, il faudra être aux aguets. D'accord. Aujourd'hui, on a la chance en France, donc justement sur la gamme Lightning Collection, de voir le pack de Jason, le premier Ranger rouge de la licence, mais aussi le Ranger Zeo doré, ouais. Qui est présent actuellement. L'exclusivité. Voilà, quelle est l'exclusivité Comic-Con, hein, qui a été d'abord au Comic-Con de San Diego, là on est à Paris. Est-ce qu'il y aura d'autres exclusivités Comic-Con de ce genre-là? Normalement oui, ça a vocation à durer dans le temps, ouais, tout à fait. D'accord. Normalement, oui. Okay. Donc aujourd'hui, Power Rangers a un avenir en France? Ah oui, ah bah alors là, complètement, oui. Et ouais, vraiment, j'insiste, parce que même particulièrement en France, pour le coup, où la licence bénéficie d'un vrai héritage et d'une marque qui est vraiment connue du grand public, donc oui, complètement. Ouais. D'accord. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces réponses. Ben, merci. On espère avoir apporté un peu plus de réponses aux gens qui nous suivent. Bonne fin de salon, merci. Bonne continuité et à bientôt. Merci, à bientôt.